Quand l'issue semble impossible, le miracle reste possible. Dieu permet souvent que le miracle arrive lorsque tout espoir a disparu, quand humainement parlant, rien ne peut changer et qu'un renversement ne soit concevable. C'est à ce moment que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire avant de voir et non voir avant de croire. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui, ceux qui espèrent en lui et qui mettent leur foi en lui jusqu'au bout. Il l'a déjà démontré plusieurs fois. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui donne son fils, son héritier, à l'âge de 100 ans. Sa femme Sarah avait 90 ans. Rappelez-vous qu'il avait reçu la promesse à 65 ans. Dieu a attendu que, humainement parlant, la situation soit impossible pour que sa puissance se manifeste dans sa vie. Prenons aussi l'exemple de Moïse. Alors que l'armée de Pharaon était à ses trousses, la mer Rouge en face, le peuple se voyait déjà mort. Moïse se tourne vers l'Éternel et crie à Dieu qui ouvre la mer Rouge afin qu'il traverse à sec. Dieu s'est encore manifesté alors que la situation semblait impossible. Enfin, concernant la veuve de Sarepta, en pleine famine, alors qu'il lui restait son dernier repas entre les mains, elle décide de faire confiance à Dieu, qui l'a fait basculer dans une abondance surnaturelle. Dieu agit et il agira encore. Souviens-toi de toutes les fois où il a déjà fait pour toi, où il t'a sorti d'une situation qui semblait impossible. Écris en dessous ton témoignage et partage cette vidéo afin de fortifier la foi de quelqu'un.